Ça, je voulais dire ici maintenant, ce soir, puisque je sais, Sheila, qu'il va être content, son esprit, son âme. Une fois, je l'ai dit, Monsieur le Président, Jean-Louis Debré, il m'a offert un bouquin de ce Parlement français. Et il n'a pas seulement dédicacé, en plus c'était devant Morgane, ma fille. Je dis, il n'a pas dédicacé, il a fait un dessin avec quatre marqueurs. Il a dessiné le drapeau français, trois couleurs, et au milieu, Jean-Louis Debré. Il a écrit, Vive David Abassi, vive la République. C'est la première fois que je vous dis ça. J'ai dit à Jacques Chirac, il n'était plus le président, puisqu'on était en train de parler de ses amis, de ses amis. Et moi, j'ai dit, Monsieur le Président, je pense que c'est Jean-Louis Debré, c'est le meilleur ami de Jacques Chirac, le petit lion. Il a dit, oui, Monsieur Abassi, vous avez raison. Cette personne est très fidèle, très fidèle. Trois fois, il a dit, très fidèle. Jean-Louis Debré, je te remercie. Jean-Louis Debré. Seul ami, copain, fidèle. Il avait beaucoup d'amis. Beaucoup de gens sont trouvés des emplacements, des places dans le monde, qu'ils soient en France ou dans le monde, grâce à Jacques Chirac. Mais il a eu beaucoup de trahisons. Certains, vous le connaissez, mais il y a énormément que vous ne le connaissez pas. Surtout quand il était malade. Une personne qui le voyait tous les jours, presque, quand on dit tous les jours, pas tous les jours, hein, mais plus que tout le monde, tous les autres, c'était Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, meilleur copain, ami de Jacques Chirac. Je voulais le dire ça ce soir pour rester dans l'histoire. Puisqu'il y a beaucoup de profiteurs qui avaient oublié Chirac, surtout ces dernières années. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir, à bientôt. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com. Humeur du temps, présentée par David Abassi, tous les samedis et quatrième samedi du mois, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95.